Tambi. Monsieur Frambi, vous êtes là-haut? J'entre, monsieur Frambi. Alice, tu veux éteindre, s'il te plaît? Pourquoi? C'est presque la fin. Je te demande d'éteindre. Ils ont dévoilé tout qui a tué. Le wifi est nul. Éteins dans ma chambre. Ça immédiatement. Il y en a pour 2 minutes. Alice, c'est un pourquoi ordre. C'est pas hyper violent, c'est juste une chaîne ils de télé. Ils sont normale. En train de parler ils d'un crime. Arrête. Ta sœur vient d'avoir un ami okay, qu'elle adorait okay, et qui s'est arraché la gorge. Okay, tu crois qu'elle a besoin d'entendre ces émissions? Sois un peu compréhensif. T'as qu'à regarder ton épisode, je te jure, ça va. De toute façon, j'ai deviné ça qui l'a rien. Tué, alors. Excuse-moi, Martha. Ça fait rien. C'est le fils d'Arlan. Salut, Walt. Bonjour, Martha, ça va? Mm-hmm. Tu veux bien passer à la maison ce matin? La police a encore des questions à poser à tout le monde. Quoi? Excusez-nous, madame. Vous êtes domestique? Une seconde. Elle s'appelle Martha. C'était l'infirmière de grand-père. Elle est avec nous. Une domestique? Ça fait rien. Je suis désolée. Non, ça fait pas rien. Quel connard. Comment tu te sens? Pas très en forme. Et seule? J'ai tellement pleuré que... J'avoue, je sais plus trop quoi faire. Martha, si tu as besoin de quoi que ce soit, tu fais partie de cette famille. Merci. Comment ça va, ma grande? Linda. Non, ça va, et vous? Oh, les funérailles, ça aide un peu, faut croire, le voir, encore une fois. J'aurais été contente que tu sois là. On n'était pas tous d'accord. De toute façon, tu peux crever, j'en ai rien à foutre. Richard. Il n'y vient pas. Ransom, le petit con. Pas venir aux funérailles. Excusez-moi. Voilà, nous vous attendons. Nous voudrions vous voir un par un, s'il vous plaît. Très bien. Je vais y aller en premier. J'espère bien que tout sera emballé et pesé avant la cérémonie de ce soir. On va faire notre mieux, madame. Alors, ça va comme tu veux? Afin que tout soit bien clair, je tiens à nous présenter à nouveau. Je suis le lieutenant Elliott. Et voici l'agent Wagner. Je vous informe que je vais enregistrer nos échanges pour faciliter les choses. Très bien. Nous sommes avec Linda Drysdale, née Thromby, la fille aînée d'Arlan Thromby. Nous allons parler des événements qui ont eu lieu la nuit de la mort de son père il y a une semaine, le 8 novembre. Nous vous présentons nos condoléances. Merci. Ça me réchauffe le cœur. D'après ce que nous avons déjà noté, votre famille s'était réunie pour fêter le 85e anniversaire de votre père. Oui. C'était comment? Est-ce que... La fête qui a précédé son décès? Oh, c'était super. Il y avait des personnes qui n'étaient pas de la famille? Fran, la gouvernante. Il était très gentil, mais il était tellement poilu, c'était laid. Jacob. Et je suis déjà sortie avec des Italiens, alors je connais. Non, là, c'était trop... Martha, l'aide-soignante d'Arlan. Une bonne fille, travailleuse. Sa famille vient d'Équateur. Et Juanetta, Mamita, la maman d'Arlan. Ça va, Mamita? Sa mère? Mamita. Waouh, elle a quel âge? Aucune idée. Ok, et votre fils Ransom? Il était là, lui aussi?
Oui, mais il est parti tôt. Ransom, est-ce que tu t'en vas? Bien, vous diriez que tous les trois vous êtes arrivés en même temps? Non. Richard est arrivé tôt pour aider le traiteur à tout mettre en place. Ok. Vous et votre mari Richard, vous travaillez dans une agence immobilière à Boston? Non, c'est pas... c'est mon agence à moi. Ah oui, c'est vrai. Pardon. J'ai bâti mon empire toute seule. Ah, comme votre père. Vous étiez très proche. Oh, nous avions notre manière à nous de communiquer. Il fallait pouvoir trouver ça avec père. Il fallait trouver un moyen de jouer avec lui. Une fois qu'on avait cela et qu'on acceptait de jouer selon ses règles... C'est normal d'idolâtrer son père. Je sais pas. C'est leur cas? Ah non, pas du tout. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais ma femme Linda, si. Arlan avait commencé avec une vieille machine à écrire rouillée et était devenu le plus grand écrivain de romans policiers de tous les temps. Wow. Il semble que tous ses enfants soient des autodidactes eux aussi. Oui. Je précise que je vais m'entretenir avec Walt Trombi, le plus jeune fils d'Arlan. Donc, vous êtes à la tête de la maison d'édition de votre père. Oui. C'est notre. C'est la maison d'édition familiale et père m'a confié la direction. On édite en 30 langues. On a vendu plus de 80 millions de livres, un sacré héritage. Vous êtes des fans? Je suis pas très porté sur les fictions personnellement. Moi, je suis fan, super fan de ces romans. Franchement, ces intrigues sont juste... je veux pas te gâcher le plaisir, mais c'est vrai, dans 1000 couteaux. Le coup de la vache et du fusil. Ah oui, comment on imagine un truc pareil? Père disait que la plupart des intrigues apparaissaient dans sa tête entièrement finalisée. C'était la partie facile pour lui. Vous n'habitez pas loin, c'est ça? Vous êtes tous à peu près arrivés à la même heure, on dirait. On est arrivé aux alentours de 20h. Ma femme, Donna, c'est mon pilier. Nom de Dieu, Donna! Est-ce que ça va? Mon fils, Jacob, il a 16 ans. Très actif politiquement. Son fils est un vrai nazi. C'est un sale petit troll d'extrême droite. Les enfants aujourd'hui avec Internet, c'est de la folie. La soirée s'est bien passée. On est tous sous le choc, mais au moins je suis heureux d'avoir passé cette soirée avec lui. D'avoir été à ses côtés, d'avoir pensé à nos livres et à tout ce qu'on avait accompli. C'était un peu comme sentir sa main sur mon épaule. Le passage de flambeau. Nous nous entretenons avec Johnny Thrombey, la belle-fille d'Arlan. C'est ça? Oui, j'ai épousé son fils Neil. Nous avons une fille, Meg. Et Neil nous a malheureusement quittés. Ça va faire 15 ans. Mais vous êtes resté très proche des Thrombey. Oh, c'est ma famille. Je me sens en même temps libre et extrêmement soutenue par eux. C'est l'équilibre des opposés. C'est l'essence de Flamme. Pardon, l'essence de... Flamme. Ah, oui, Flamme, votre société de produits de beauté, pardon. Je vous pardonne. Oui, ce sont des soins, mais ça promeut tout un style de vie. L'autosuffisance avec les connaissances des besoins humains. C'est Flamme. Mais c'est aussi Arlan. Il nous a sorti, Meg et moi, de périodes difficiles. Grand-père a donné à ma mère une allocation annuelle et il a jamais arrêté de payer mes frais de scolarité. Il était d'une générosité sans borne. Oui, mais ce soir-là, vous êtes parti tôt. Amusez-vous bien? Pour voir mes amis à Smith. C'est père qui finance ses études de poésie crypto-marxiste post-déconstructiviste féministe à la moindre nuit et tout ce qui s'ensuit, non? Elle aurait pu rester pour le gâteau. Je crois que ça a énervé Linda. Mais Arlan comprenait. Ouais. Toutes les deux, vous êtes arrivées à la soirée en même temps. Est-ce qu'on peut faire une pause? Parce que je veux savoir qui c'est, lui. Et pourquoi vous reposez toutes ces questions? Nous avons affiné les questions. Il faut être minutieux si on veut découvrir les circonstances du décès. Par circonstances du décès, vous sous-entendez qu'il a été tué. Vous pensez que l'un de nous l'a fait. Un des membres de sa famille l'aurait assassiné. Non, c'est ce que vous sous-entendez, lieutenant? Je n'ai pas dit ça, ok? C'est une enquête de routine. Très bien. Du coup, c'est qui, celui-là? Lui, c'est Benoît Blanc.
Benoît Blanc. Oui, Monsieur Blanc est un détective privé de grand renom. Attendez une minute. J'ai lu un tweet qui parlait d'un article du New Yorker qui parlait de vous. Le dernier des gentlemen détectives. C'est vous qui avez résolu l'affaire du champion de tennis. Vous êtes une célébrité. Monsieur Blanc ne fait pas partie de la police et n'est pas officiellement sur cette affaire, mais il nous a offert son aide. Je lui en suis profondément reconnaissant et je me porte garant pour lui. Monsieur Blanc, je sais qui vous êtes. J'ai lu votre profil dans le New Yorker et je l'ai trouvé délicieux. Seulement, je viens de perdre mon père de 85 ans, qui a mis fin à ses jours. Alors, que faites-vous ici? C'est à la demande de l'un de mes clients que je suis venu. Quel client? Je ne suis pas autorisé à le dire, mais je peux vous assurer que ma présence s'avérera des plus discrètes. Vous trouverez en moi un observateur discret et particulièrement silencieux. De la vérité. Parfait. Et on s'en approche? Presque. L'aide-soignante d'Arlan était invitée à la soirée professionnellement? Martha? Je crois. Arlan lui avait demandé de rester dans le coin au cas où on aurait besoin de ses compétences médicales. Mais au fond, elle fait un peu partie de la famille. C'est une chouette gosse qui était très amie avec Arlan. Sa famille vient du Paraguay. Linda adore son abnégation. Les immigrants, nous, on fait notre boulot. C'est dans Hamilton. Oh, Hamilton. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Je l'ai vu à sa création. Oh. Puis-je... Est-ce que je... Ensuite, je reste quoi? Mais... En tant qu'autodidacte moi-même, je dois vous exprimer mon admiration pour avoir réussi à suivre les traces de votre père. Merci. C'est merveilleux. C'est vrai, toute la famille a réussi. Johnny avec ses soins, Walt avec son empire dans l'édition, c'est... Eh bien... Oui, c'est vrai que Walt s'en est bien sorti avec ce que Père lui a transmis. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais en réalité, Père lui apportait un roman deux fois par an et Walt s'occupait de la sortie. Ce n'est pas comparable. Mais Walt devait gérer les campagnes de promotion, les adaptations pour le cinéma ou la télévision, ce n'est pas rien. Vous vous moquez de moi, détective? Vous savez que c'est faux. Et si vous croyez que je suis assez stupide pour me faire prendre à raconter les affaires de famille dans une discussion à la con et baver sur mon petit frère devant la police, un détective et un agent à la circulation... Walt ne s'occupe de rien, parce qu'il n'y a aucun droit ciné et télé à gérer. Arlan n'autorisait pas les adaptations de ses romans, ça le faisait frémir. Non. Si! Walt, ça le rendait fou. Car c'est là qu'on peut gagner vraiment de l'argent. Quand Walt s'envoyait un peu trop de whisky irlandais, il s'engueulait avec Arlan. Mais est-ce qu'il s'est engueulé avec son père ce soir-là? C'est rien de le dire. S'il te plaît, père, Walt ne lâchait pas avec ses histoires. Arlan a fini par le crucifier sur place. Je n'ai pas entendu ce qu'il a dit, mais il a eu l'air de lui rabaisser son caquet. Du coup, Walt a eu un air de chien battu tout le reste de la soirée. Quoi? Richard a dit quoi? Non, voyons, on ne s'est pas du tout engueulé. Bon, je veux juste... Essayez de me faire mon impression. Arlan vous a pris à part au cours de la soirée et lorsque vous êtes revenu, vous étiez mortifié. Qu'est-ce qu'Arlan vous a dit? Chez Netflix, ils sont très forts en affaires. Ils ont envoyé quelqu'un et j'avoue que, sérieux, cette fois, je crois qu'il y a une opportunité que nous devons saisir, père. Nous devons profiter de la situation et tu devrais regarder ce qu'il propose. Oui, Walt. Père, écoute. Père, Tu m'as demandé de gérer nos œuvres, alors laisse-moi gérer, laisse-moi signer, s'il te plaît! Ce ne sont pas nos œuvres, fiston, ce sont les miennes. Et je te jure que je ne voulais pas avoir cette conversation ce soir avec toi, mais c'est vrai que tu es dans le vrai. C'est très injuste de ma part de t'obliger à rester cantonné à quelque chose qui échappe à ton contrôle. Quoi? Oui, je reconnais que je ne t'ai pas rendu service durant toutes ces années. Je t'ai empêché de bâtir un empire de tes propres mains, qui serait rien qu'à toi. Mais tu vas arrêter de diriger cette maison d'édition à présent. Je te libère. Fais ce que tu voudras. Oh. Père, es-tu en train de me virer? Non, je... On réglera les détails demain. Ma décision est prise. Sois gentil.
discuté, on a parlé assez longuement des e-books. Une engueulade, non, c'était rien. Mais si vous parlez de dispute, c'est Ransom qui s'est bien frité avec lui. Ransom, c'est le fils de Richard et Linda. On adore tous Ransom, c'est un chouette gars, on l'aime bien. Mais il a toujours été la brebis galeuse de la famille. Ah. Et je veux pas, enfin, je sais pas, je veux pas déballer les histoires de famille, mais c'est Ransom. Il a jamais eu de vrai travail. Et pour je ne sais quelle raison, Pearl l'a toujours entretenu. Ils avaient cette espèce de rapport amour-haine bizarre et ils se bagarraient. Mais cette nuit-là, ça a vraiment chauffé. Et vous savez pourquoi ? Tu es complètement malade. On ne comprenait pas ce qu'ils disaient, mais c'était violent. Et ce qui est curieux, c'est qu'ils ont changé de pièce pour se disputer. D'habitude, ils adoraient se donner en spectacle devant toute la famille. Puisqu'on parle d'engueulade... Vous étiez arrivé très tôt pour aider les traiteurs à tout mettre en place. Est-ce que vous aviez discuté avec Arlan en fin d'après-midi ? Ben, il était là, oui, on a pu se parler. Dans son bureau ? Je crois pas, non. C'est drôle, j'ai parlé avec la chef des traiteurs ce matin et elle assure qu'elle ne vous a pas vu aider son équipe. En revanche, elle a entendu Arlan avoir une violente dispute avec des cris perçants dans son bureau ce jour-là. Ah non, je... Des cris perçants ? Non. Mais Johnny aussi était là. Elle était en avance, alors c'est peut-être avec elle, vous pourriez lui demander. Non, c'était des voix d'hommes qui criaient. Arlan aurait prononcé cette phrase. Tu vas lui dire où je le ferai. Tu vas lui dire où je le ferai. Ça vous revient ? Ça ne vous regarde pas. Restez en dehors de mon mariage. Je connais bien ma fille, et elle voudrait être au courant. J'ai tout écrit noir sur blanc sur cette lettre, et demain elle la recevra. Arlan, je vous préviens, n'interférez pas dans mon mariage. Oui, elle le mérite, et tu vas lui dire sur le champ. Non, je ne ferai pas. Tu vas lui dire où je le ferai. Oui, ça y est. Oui. Arlan avait finalement décidé de mettre sa mère en maison de retraite et Linda était opposée à cette idée. Alors je voulais attendre notre retour à Boston pour prévenir Linda afin d'éviter une grosse scène. Mais Arlan insistait pour que je le lui dise ce soir-là. C'est à cause de ça. Désolé, j'ai oublié. À la maison ? Oui, Richard a dit que vous étiez arrivé en avance. C'est vrai, je suis arrivé en avance. Pour voir Arlan. Pour voir Arlan ? Oui. Et vous vouliez le voir pourquoi ? Il y avait une petite confusion concernant le paiement des frais de scolarité de Meg. Ah, excusez-moi, je voudrais pas vous embêter, mais... Quel genre de confusion ? L'école n'a pas encore reçu le virement cette année. J'ignore pourquoi Arlan ne l'a pas envoyé. Arlan n'a pas fait le virement parce qu'il a détecté une anomalie. Le bureau d'Alan faisait le virement des fonds directement à l'école, comme tu l'avais demandé. Mais le bureau de Phyllis, qui gère ton allocation annuelle, faisait le virement concernant les frais de scolarité sur ton compte. Tu as donc reçu deux fois le montant de ces frais. Tu as volé ton beau-père. La somme de 100 000 dollars par an. Et ça depuis ces quatre dernières années. Je ne sais pas comment ce cafouillage a pu arriver. Alors je vais payer le montant qu'il demande. Mais sache que ce sera la dernière fois que toi ou ta fille Meg toucherez le moindre centime de ma part. Vous ne comprenez pas, Johnny, c'est... je sais que ça fait mal, mais c'est pour votre bien. Ma décision est prise. Il y avait une petite confusion avec la comptabilité de l'école, alors j'ai dû dire à Arlan de faire le virement pour payer le semestre. Rien d'important. Ouais. Eh bien, si nous faisions une pause afin de faire un résumé de la situation et... Oh non, elle s'en va. Richard ! Johnny, tu as vu Richard ? Non, je viens de finir avec... Ok, les... d'accord. Non. Richard ! Richard !
suis peut-être victime de mes propres rêves, je l'avoue, mais lorsque le grand Benoît Blanc est venu frapper à ma porte, je m'attendais à une affaire, non pas extraordinaire, mais au moins intéressante. Mais je suis désolé, c'est un cas de suicide tout à fait banal et... très franchement, Benoît, j'en arrive à me demander ce que nous faisons ici. La méthode ? La gorge tranchée ? C'est courant pour un suicide ? Oui, ça donne un petit côté dramatique. Mais regardez autour de vous. Ce type vivait presque dans un cluedo. Voici l'aide-soignante d'Arlan, Martha... Cabrera. Martha Cabrera. Mademoiselle Cabrera, vous voulez bien attendre à l'intérieur? Mademoiselle Cabrera. J'ai fait ma petite enquête. Vous avez été engagée à mi-temps en tant qu'aide-soignante agréée, c'est ça? Oui, mais je viens pas d'une agence agréée. Arlan m'a engagée en direct. Asseyez-vous, mademoiselle. Et votre contrat stipulait clairement combien d'heures de présence par semaine? Bah, j'ai commencé avec 15 heures et il a eu besoin de plus. D'aide médicale? Besoin d'une amie. Le fait d'être gentil fait de vous une bonne infirmière? S'il vous plaît, Blanc. Martha, nous cherchions quel mobile pouvait avoir la famille. J'ai l'impression qu'Arlan vous en a dit beaucoup sur chaque membre de cette famille. Et... mon petit doigt m'a affirmé, comment dire cela avec délicatesse, que vous aviez une réaction carrément viscérale face au mensonge. Qui vous a dit ça? C'est vrai ou non? Oh. Oui. Oh. J'ai ça depuis que je suis petite. C'est physique, je le reconnais. Rien que l'idée du mensonge, oui, ça peut me faire vomir, oui. Vraiment? Est-ce que Richard avait une maîtresse? Pourquoi les hommes s'évertuent-ils sans cesse à tout bousiller? Pardon? Richard. Mmh. Une maîtresse? Oui. Un oui ou un non sera suffisant. Non. Oh, merde! Bon, cher enfant, veuillez m'excuser, j'étais persuadé que c'était une façon de parler. Attendez, tenez. Il faut que vous buviez ceci. Et tenez, c'est assez impressionnant. Mais j'avais raison, pas vrai? Richard avait bien une maîtresse et son beau-père était sur le point de le confondre. Tu vas lui dire où je le ferai. Ok, mais même si c'était le cas... Ça va aller? Même si c'était le cas, tuer quelqu'un pour cacher ce genre de révélation, c'est un peu faiblard, vous le savez bien. Oui. Alors il nous reste Johnny. Johnny? La gourou du bien-être? Non, Arlan l'entretenait, elle et sa fille, c'est le contraire d'un bon mobile. Mais son allocation annuelle était menacée. Mademoiselle Cabrera, un moment, s'il vous plaît. Oui, je vais me faire un bain de bouche. Mademoiselle Cabrera, est-ce qu'Arlan projetait de ne plus verser l'allocation annuelle de Johnny? Oh, Johnny. Qu'est-ce qui se passe? Oh mon Dieu. Bon, ne répondez pas si vous devez encore vomir, s'il vous plaît. Meg a dit qu'il payait l'école en direct, et Johnny a dit qu'il lui versait l'argent à elle. Les deux ont raison. Elle se récupérait un double paiement, Arlan l'a découvert et voulait cesser de lui verser de l'argent, c'est ça? Du coup, elle l'a zigouillé pour l'héritage? Oh non, franchement, non, vous l'avez vu sur Insta. C'est une influenceuse. L'allocation annuelle serait un mobile de meurtre, mobile trop faible encore une fois. Arrêtez de balancer des mobiles qui n'en sont pas. D'accord, mais elle a menti. Tous les trois ont menti. Les trois? Walter aussi. Ah, oui, je vois où vous voulez en venir. Arlan a rejeté la proposition de Walter concernant les films, pas vrai? Mais ce soir-là, son père lui a dit une chose qui l'a traumatisé. Voyons les choses en face. Arlan faisait un grand ménage.
Et je le comprends. Il prévoyait de virer Walter ? Est-ce que je peux rentrer ? Je crois que j'ai rien à faire ici. Oui, veuillez attendre dedans, mais ne vous éloignez pas. Vous avez été très patient, mon ami. Et en effet, je suis d'accord, aucun de ces pauvres alibis et ces gaguères domestiques ne répondent à votre question. Que fait Benoît Blanc ici ? Eh bien, il est temps que je vous explique. Je suis ici parce que ce matin, une personne a esquivé une question d'une importance capitale. Qui ? Moi. Linda a demandé qui m'avait engagé. Oui, et c'est qui alors ? Je n'en ai aucune idée. Une enveloppe pleine d'argent est arrivée chez moi hier avec un article annonçant la mort de Thambi. Une enveloppe et vous êtes venu ? Une enveloppe pleine d'argent. Quelqu'un soupçonne un acte criminel et est allé jusqu'à m'engager pour m'en occuper, tout en restant anonyme. Franchement, ça n'a pas le moindre sens. Ça m'intrigue, j'avoue. Redonnez-moi toutes les positions de chacun au moment du décès. Nous savons que la petite fête s'est terminée aux alentours de 23h30. Bonne nuit, Johnny. Martha est montée avec Arlan pour lui donner ses médicaments. Les escaliers qui mènent à la chambre d'Arlan et à son bureau attenant craquent d'une horrible façon. Et Linda a le sommeil léger. Donc nous savons avec exactitude qui est monté ou descendu cette nuit-là. La première fois, c'est quand Johnny a entendu un étrange bruit sourd au-dessus de sa tête. Elle s'inquiétait pour Arlan, alors elle est allée enquêter. Réveillant Linda. Arlan était dans le bureau en compagnie de Martha. Ça va, Johnny ? Oui, bonsoir. Il a expliqué qu'il venait de renverser le jeu de Go. On n'a pas fini de tourner. Vous savez, ce jeu avec des pierres noires et blanches, ils y jouaient tous les soirs. Il a ajouté, va te coucher. Va te coucher, Johnny. Bisous. Bisous. Ce qu'elle a fait. Bonne nuit. 10 minutes plus tard, Linda était réveillée une deuxième fois. Par Martha qui s'en allait. Je m'en vais, Walt. Walt fumait un cigare avec son fils sous le porche. Il l'a vu prendre sa voiture. Il a regardé l'heure, minuit. Quinze minutes plus tard, Linda a été réveillée une troisième et dernière fois par quelqu'un qui descendait les escaliers. Arlan, qui venait se faire son petit encas de minuit. Père, retourne te coucher. D'ailleurs, Walt a essayé de l'en dissuader. D'après le rapport du médecin qui a déclaré le décès, l'heure de la mort se situe entre minuit 15 et 2h du matin. Pendant que Walt finissait son cigare, Meg est rentrée vers 2h30. Elle est allée directement se coucher. Walt et Jacob n'ont pas tardé à faire de même. Plus tard dans la nuit, à une heure indéterminée, mais qui serait aux alentours de 3h du matin, Meg a été réveillée par les chiens qui aboyaient dehors. Elle est allée aux toilettes, puis s'est recouchée. Et voilà, c'est tout. Toutes les versions concordent parfaitement. Il n'y a pas de contradiction. Et il n'existe aucun autre escalier qui monte à sa chambre ? Non, que celui qui craque. Intéressant. Bon, alors on sait que Ransom n'a pas pu le tuer parce qu'il n'était pas là. Martha aussi était partie. Et à son départ, Arlan était vivant. Ouais. Meg est rentrée dans le laps de temps où la mort a pu se produire, Sauf qu'il s'agit d'un suicide, ok ? Arlan s'est tranché la carotide. On a vu sur le rapport du médecin qu'il s'agissait d'un geste ininterrompu. Par conséquent, c'est presque impossible pour qui que ce soit d'avoir été avec lui à cette heure-là. C'est lui qui s'est tranché la gorge. Je vois pas pourquoi on tergiverse. Les preuves racontent quelquefois des histoires que la raison contredit. Quoi ? D'après ce que nous avons vu ce matin, tout le monde peut mentir. Enfin, presque tout le monde. Mademoiselle Cabrera, si nous vous avons fait attendre aussi longtemps, c'est parce que je voulais vous parler en dernier. J'ai besoin d'avoir le déroulé de la soirée bien en tête et vous en faites partie. Vous en êtes même une pièce maîtresse. Alors, s'il vous plaît, prenez votre temps. Vous êtes remonté avec Monsieur Thrombey à 23h30 et êtes parti à minuit. Veuillez tranquillement et avec le plus de détails possible nous raconter ce qui s'est passé pendant cette demi-heure.
Hop, 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 et voilà. Hop, 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 et voilà. Hop, 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 et voilà. Bon, hop, c'est très bien. Hop, et voilà. Hop, 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 et voilà. Hop, 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 et voilà. Hop, 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 et voilà. Ok. Venez faire une petite partie. Non. Alors, non. Venez, ma chère. J'ai bu un verre de champagne. Allez, Arlan, on va jouer. Vous n'avez plus qu'un verre. C'est vrai. C'est on se doit de respecter les traditions le jour de mon anniversaire. Vous ne pouvez pas prendre votre médicament et aller dormir? Si vous voulez m'administrer cette saloperie, vous devez jouer pour mes 85 ans. Le soir même de mon anniversaire. Mais, ok. Je suis si vieux. Quelle misère, hein, la vieillesse, Martha. Ok, on se fait une grille de 9 par 9. D'accord. Vous êtes prêts? Je vais vous massacrer. Vous êtes sûr? Oui. Quel prétentieux. Oh. Je sais comment ça va finir. C'est quoi ça? Pourquoi je n'arrive jamais à vous battre? Parce que je joue pas pour gagner et je me contente de tisser une belle toile. C'est de l'abus de vieux. Je vais le dire aux associations de personnes âgées. Je vais sortir le fouet, Abuelo. La partie est presque terminée et je place mon dernier espoir dans un tremblement de terre. Combien y a-t-il de chances qu'il y en ait un? Oh, oh. M'aider, 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 attention tous aux abris. Yes! Mais quel mauvais perdant vous êtes. Vos remèdes et au lit. J'en ai marre de vous. Je comprends. Oh, Walt doit fumer sa saleté de cigare sous le porche. Mortel et dégoûtant. Comment était la soirée? La soirée a été bonne. Ah oui? Je sais que vous appréhendiez cette soirée. C'est vrai, mais après, non. Je leur ai coupé les vivres à tous. Ça n'a pas été facile. Cette satanée grosse fortune. Parfois, je me dis que tout ce que j'ai donné à ma famille, ce que j'ai fait, peut-être que je l'ai fait sans me rendre compte que ça pourrait les rabaisser. Oh, j'aurais mieux fait de... Je sais pas, d'encourager Walt à écrire ses propres histoires au lieu d'en faire... Le gardien des miennes, c'est bien ce que vous aviez dit, non? Et j'aurais dû être un père pour Johnny au lieu d'être seulement son banquier, comme vous aviez dit. Également, j'aurais dû être plus gentil avec Linda et Ransom et... Non, Ransom. Ah, il me ressemble tellement, cet enfant. Sûr de lui, stupide. Je sais pas, surprotégé, jouant sa vie comme s'il n'y avait aucune conséquence. Ne sachant pas reconnaître la différence entre un poignard de théâtre et un vrai poignard. Je n'ai pas peur de la mort. Mais oh, Seigneur, je voudrais arranger certaines choses avant de vous rejoindre. Refermez le livre avec panache. J'essaierai, on verra. Essayez, on verra. Allez, ça a été une longue journée. Vous voulez votre drogue? Vous parlez de l'excellente? Ouais. Ah oui, c'est bien. Envoyez-moi dans La La Land. Rien qu'un tout petit peu, ok? Pourquoi j'ai attendu mes 80 ans pour devenir morphinomane? Quel abruti! Quel rabat-joie! C'est ce qu'il y a de mieux, ce truc. Oh mon Dieu! Il y a un problème? C'est-à-dire que je viens de vous donner 100 mg de... Je me suis trompée. Vous venez de m'injecter 100 mg de l'excellente drogue? Pardonnez-moi, mais pour l'excellente drogue, quel est le dosage qui est recommandé, Martha? Arrêtez de dire excellente drogue, ok? 3 mg. Ah oui, ça fait une différence. Que va-t-il se passer? Je vais vous administrer une dose d'urgence de naloxone pour que vous mouriez pas en 10 minutes. Ah bon, il n'y a pas d'urgence. C'est drôle, ce serait une méthode très intéressante et efficace. Pour commettre un meurtre, je vais le noter tout de suite. Alors, si une personne avait échangé ses flacons dans le but de me tuer, je serais mort en 10 minutes. Genre, raide mort, c'est ça? Oui, on ressent les symptômes au bout de 5 minutes, suer, désorientation, et ensuite... Oui, c'est une énorme dose que j'ai injectée. Alors, en 10 minutes, votre cerveau... Oui,
10 minutes. À partir du moment de l'injection, hein. Imaginons qu'il soit 20 heures, alors même si la victime appelle une ambulance dès les premiers symptômes et qu'elle vive dans une immense maison de campagne comme celle-ci, l'ambulance mettrait au moins 15 minutes pour arriver, donc il serait trop tard. Hein? Sauf si on administre à la victime une dose d'urgence de Naxo machin chose. Martha, vous avez le Naxo machin chose? Oui, je vais le trouver. J'en ai parce qu'il y en a toujours dans cette trousse. Il doit pas être loin. Il est sûrement en dessous de... Il doit être... Il y en a pas, Harlan. Je comprends pas pourquoi. Il faut que je téléphone, ok? Je vais appeler une ambulance. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Martha, écoutez-moi. Harlan, je dois... C'est pas la peine, c'est pas la peine, Martha, raccrochez. On n'a pas le temps, il faut que vous m'écoutiez. Il faut surveiller la famille. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou. Arrêtez de vous agiter dans tous les sens. Écoutez-moi, écoutez-moi. Si ce que vous avez dit est vrai, je vais mourir. Il n'y a aucun moyen de me sauver. Nous avons 6 minutes. Je vais non, pas. Attendez, il faut qu'on sorte de cette histoire. Pensez à votre maman. Ma maman? Martha, restez derrière moi sans faire de bruit, ok? Harlan? Martha? Tout va bien? Oh, ça va, Johnny? J'ai cru, oui. Bonsoir. J'ai cru entendre du bruit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui, tout va bien. Tout va bien. Je viens de renverser le jeu de Go. On n'a pas fini de tout ramasser. Oh, c'était ça, ça va alors. Très bien, allez, va te coucher, Johnny. Ok. On peut se discuter de la famille demain. D'accord, oui, demain. Bonne nuit. C'est bon. Écoutez-moi attentivement. Votre maman n'a toujours pas de papier. Si on découvre la faute que vous avez commise, elle sera expulsée, et ça dans le meilleur des cas. Et votre famille sera brisée. On va s'arranger pour que ça n'arrive pas, d'accord? Mais vous devez faire tout ce que je vous ordonne. Vous le ferez, Martha. Cette dernière requête, pour moi, pour votre famille. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Descendez le plus bruyamment possible. Dites au revoir, bien fort. What? Je m'en vais. Faites-lui remarquer l'heure. Oh là là, il est déjà minuit. Si vous pouvez. Conduisez jusqu'au portail, puis en évitant de vous faire repérer par les caméras de surveillance, garez-vous sur le bord de la route, juste avant l'éléphant en pierre. Mince. Il a dit avant ou après? Après l'éléphant en pierre. Non, il a dit avant. Ou après? Juste avant, près l'éléphant. Oh, merde! Garez-vous et revenez à pied à la maison. Prenez le chemin dans le jardin en passant par la petite porte. Les chiens vous connaissent, ils ne devraient pas aboyer. Vous devez monter au 3e étage sans vous faire remarquer. Le seul moyen, c'est de grimper par le treillage et entrer par la fenêtre dérobée qui donne dans le corridor. Oh non, vous vous moquez de moi. Pas le moins du monde. Faites-le. Et pour l'amour du ciel, ne faites pas de bruit. Une fois à l'intérieur, c'est là le passage le plus délicat. C'est là le passage le plus délicat? Enfilez mon peignoir et mon bonnet qui sont posés dans ma chambre. Harlan, c'est de la folie. Je n'y arriverai jamais. Mais il faut bétonner dans tous les sens pour que le policier lambda vous élimine de la liste des suspects. Ça a l'air d'être de la folie, mais ça fonctionnera. Walt fume son cigare dehors, donc il vous verra. À travers la fenêtre. Père, retourne te coucher. On vous aura vu en train de partir. Les caméras de surveillance auront filmé votre voiture et 20 minutes plus tard, je serai aperçu bien vivant
par mon fils. Et voilà, vous passez de suspect numéro 1 à suspect inimaginable. Repartez par où vous êtes venu, et surtout sans être vu. Ransom, est-ce que c'est toi qui reviens encore une fois? Rentrez chez vous. Il est possible que dans les jours qui suivent, la police vous interroge. Non. Non, 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 je sais pas mentir. Vous le savez bien, je vomis à la seconde. Ne mentez pas. Dites-leur des bouts de vérité exactement dans cet ordre. Je l'ai emmené à l'étage. Il a voulu faire une partie de jeu de go. À un moment, il a renversé le plateau par terre et Johnny est monté voir d'où venait le bruit. Je lui ai administré son médicament. Il s'était déboîté l'épaule la semaine dernière et il était dans son bureau quand je suis partie, à minuit. J'ai même dit bonne nuit à Walt quand je suis partie. Quel médicament lui avez-vous donné ? Depuis sa blessure, je lui administrais 100 mg de Toradol en intraveineuse, un analgésique non narcotique. Et pour l'aider à dormir, 3 mg de morphine. Sa famille était au courant ? Naturellement. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange ? Quelque chose d'inhabituel ? Non. Parfait. Ce sera tout pour l'instant. Merci, mademoiselle. Sœurette, les gens vont pas tarder à débarquer pour la cérémonie. Tu es... Est-ce que ça va ? J'étais en train de penser au jeu de papa. On a l'impression que c'en est encore un. Comme si il avait écrit « ne pas faire ». J'ai envie d'attendre le grand dénouement. Où tout prend sens. Ce serait tellement bien. Oh, Walter. Je ne pense pas qu'il se soit suicidé. Je ne peux vraiment pas l'imaginer. Comme dans ce film de série B. Tu sais, Deadly by Surprise avec Danica McKellar. Elle y joue une femme qui est empoisonnée par son horrible mari. Mais il lui donne des doses infimes, alors elle ne s'en rend pas compte. Elle devient folle et elle finit par se suicider. Et ma cousine, qui est réceptionniste dans un cabinet de médecin légiste, m'a dit que ce sont des choses qui peuvent tout à fait arriver. C'est genre 3% des situations qui peuvent arriver. Oh, ça oui. Moi, je ne l'aime pas, mais toi, tu l'adores. Non, je l'adore pas, c'est un sale con. Mais peut-être que c'est un sale con dont on a besoin. Oh, mon Dieu. Oui, c'est aussi de ça dont l'Allemagne avait besoin en 1930. Ça y est, c'est reparti, enfin, ça recommence. Mais enfin, ça se compare pas. C'est de là. Tu te rends pas compte de la gravité. Je vais disparaître jusqu'à ce que le sujet politique soit clos. Tu veux du champagne ? Je regrette, j'ai pas le droit, je travaille. Il faudrait peut-être que tu arrêtes de croire à la suprématie américaine. Regarde autour de toi, on est littéralement cerné par les nazis. Non, 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 non. On est en train de perdre ce qui nous caractérise et notre culture. Ça, il y a des vrai. Millions de Mexicains qui débarquent. Oh, et ce n'est pas du racisme. Là. Tu finis toujours c'est par dire racisme, que c'est une histoire de race, simple. Mais je dirais la même chose si c'était des immigrants européens. Ah oui, alors si c'était des Suisses qui défilaient dans nos rues. Non, 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 on les laisse entrer dans le pays et ils se disent que tout ce qui est à nous est à eux. On met les enfants dans des cages, on les parque dans des camps. Ça va, Johnny, personne ne dit que c'est une bonne chose, mais les parents sont aussi un peu responsables. Pourquoi ? Vouloir une meilleure existence pour leurs enfants ? C'est pas ce que l'Amérique veut. Non, mais ils enfreignent la loi. Oh, et je sais que tu n'aimes pas l'entendre, mais j'ai raison. L'Amérique aux Américains. C'est pas vrai ? Où est Martha ? Elle est plus là ? Martha, t'es où ? Viens voir ici. S'il te plaît, Martha, viens voir une seconde. Tu te fous de moi ? Martha, ta famille vient d'Uruguay, mais vous êtes là de façon officielle. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est qu'ils sont venus légalement. Elle n'a enfreint aucune loi.
Tu travailles dur, mais tu gagnes ta vie et tu essaies de t'élever et de monter de milieu social, comme beau papa ainsi que nous tous. Je pense que vous êtes tous d'accord là-dessus. Arrête, laisse cette pauvre fille tranquille, Richard. Je lui fais rien, je veux juste entendre ce qu'elle en dit. Allez, vas-y, Martha, dis ce que t'en penses. Ne te mets surtout pas la pression, mon cœur, cette discussion... Écoute, lorsqu'on veut absolument devenir américain, il y a des façons légales de le faire. Mais si on ne respecte pas la loi, on peut être le plus gentil de la Terre. On doit en subir les conséquences. Tu es complètement malade. C'est à ce moment-là que je lui ai dit, Tonya, les gens sont devenus fous. Alors elle a... Oh mon Dieu, Martha, qu'est-ce qu'il y a? Martha, qu'est-ce qui se passe? Bon, hey, allez, respire. Oh la pauvre. Martha, ça va? Fran, t'as toujours ta cachette? Prenez-les quand vous en voulez. De toute façon, ils sèchent depuis que je prends la clope électronique. Merci, c'est gentil. Je suis désolée. Non, je suis tellement désolée. Bon. Je suis désolée. Arrête, c'est bon, t'as pas à t'excuser. T'es folle ou quoi? Oh, Seigneur, mon cœur va à une vitesse. C'est à cause de tout ça. Non, merci, non. C'est la cachette de Fran? Qui regarderait dans la pendule? Est-ce que tu veux dîner, Mamita? Dîner, manger. Tu veux dîner? Walt. Mamita. Walt, laisse-la, c'est déjà enfilé tout un tas de toasts au saumon fumé. Walt, est-ce que t'as dit à Martha ce dont on avait tous parlé? Non, pas encore. Tu crois que c'est le bon moment? Oui, oui, je crois que c'est le bon moment, oui. Ok, bon, on se détend. Martha, on a parlé tous ensemble et... Tu as fumé un pétard, toi, ou quoi? Non. Allez, Walt. Martha, on a parlé tous ensemble et voilà, toute la famille voudrait qu'on prenne soin de toi. Que... De quoi vous parlez? Tu mérites quelque chose de notre part. Nous voudrions t'aider financièrement. Tu as toujours été d'une grande bonté avec Père. C'est pour ça que nous avons décidé que tu pouvais compter sur nous. Oui. J'ai même dit que je voulais que tu assistes aux funérailles, mais j'ai pas fait l'unanimité. Monsieur le détective? Vous êtes encore là? Vous connaissiez Harlan? Il connaissait mon père qui était dans la police il y a des années. Mon père avait beaucoup d'estime pour lui. Ça veut tout dire. C'est pour ça que vous êtes là. Maintenant, vous voulez dire? Non. J'espérais pouvoir discuter encore un peu avec vous. Il y a un truc qui cloche dans toute cette affaire. J'en suis conscient. Et je pense que vous aussi en êtes conscient. Donc, vous allez creuser davantage. Les détectives des livres d'Harlan creusent. Ils cherchent, ils farfouillent, comme des limiers. Moi, j'anticipe la fin de l'arc-en-ciel de la gravité. L'arc-en-ciel de la gravité? C'est un roman. Oui, je sais. Seulement, je l'ai pas lu. Moi non plus. D'ailleurs, personne ne l'a lu. Mais j'adore ce titre. Il décrit le chemin d'un projectile qui est déterminé par les lois de la nature. Et voilà ma méthode. D'abord, j'observe les faits, sans aucun préjugé intellectuel ou émotionnel. Je détermine le chemin de l'arc, son trajet jusqu'au terminus. Et la vérité échoue à mes pieds. Le médecin légiste était prêt à conclure un suicide, mais Elliot est d'accord pour mettre en suspens ses conclusions pendant 48 heures. Alors, demain matin, je vais faire une fouille des lieux et commencer mon investigation. Et je voudrais que vous m'accompagniez, s'il vous plaît. Quoi? Ma confidente, mes yeux et mes oreilles. Attendez, monsieur le détective, pourquoi moi? Je crois en votre bon cœur. Et vous êtes la seule qui ne peut rien retirer de la mort d'Harlan. Qu'en pensez-vous, Watson? Monsieur le détective, si vous voulez mon point de vue sur les membres de cette famille, aucun d'eux n'est un meurtrier. C'est ce que je pense. Pourtant,
Que ce soit cruel ou réconfortant, ce projectile arrive irrémédiablement à la vérité. C'est impressionnant. Chaque fois? Demain, 8h. J'ai forcément oublié quelque chose. On oublie toujours quelque chose. Mais je sais que vous y arriverez. Je crois. Sans y perdre votre âme. Faites ce que je vous ordonne. Non. Tout se passera bien. Arlan, je n'y arriverai pas. Vous y arriverez. Vous n'avez pas le choix. Pour moi. Maintenant. Je dois appeler les secours. Faites ce que j'ai dit et tout se terminera très bien. Non. Je vous le promets. Mais... Ça fait 50 ans que je travaille sur cette propriété. Avant, les systèmes de sécurité n'étaient pas comme maintenant, hein. D'antan, il fallait faire des rondes avec une Winchester 94 et bien ouvrir l'œil. Aujourd'hui, il y a des technologies modernes qui font le travail. Tenez, regardez, là, il y a la vidéo-surveillance. J'ai gardé la bande de cette nuit-là. En général, je les efface avec un égosseur magnétique, mais là, je me suis dit que ce serait bien de la garder, vous voyez, hein, pour la sécurité. C'est là, là, regardez à gauche, ben, elle filme en direct, vous voyez. En évitant de vous faire repérer par les caméras de surveillance, garez-vous sur le bord de la route après l'éléphant en pierre. Très bien, on peut voir la bande de ce soir-là? Oui, évidemment. Ce sont des bandes très longues durées. Il y a 8 heures d'image. Devait être 1h et 5h du matin. On dirait un film d'horreur japonais. On peut faire avance rapide avec ce machin. Pourquoi? Il nous reste que 7 jours à vivre. Comment on fait avance rapide? Ah oui, faut appuyer sur le bouton play et enfoncer en même temps le bouton FF. Qu'est-ce que ça mouline? C'est bien. Là, on devrait approcher de la fin de la soirée d'anniversaire. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez sûrement relâché ou appuyé sur la touche Eject. Cette machine bouffe les bandes comme du pop-corn. Quelqu'un sait comment numériser ça ou de quelle façon le visionner correctement? Ouais, je m'en occupe. Ça y est, je l'ai. Voyez toutes les sculptures qu'on voit dans ce coin? Bah, elles sont toutes inspirées de sa trilogie Tragédie à la ménagerie. C'est cool, hein? Fantastique. Ouais. Benny... Bon, ok, c'est super joli. Vous pensez vraiment qu'un individu s'est introduit dans la maison pour tuer Arlan? C'est pour ça qu'on est là? Bon, c'est assez peu probable, mais si c'est le cas, on devrait retrouver des traces. Je vais prendre la cassette. Oui. Wagner, t'as réussi à joindre celui qui...
il s'appelle déjà? Ransom? Oui. Non. Mais j'ai une adresse. Ah bon? 10 Kenock Street. Kenock. C'est un nom de rue amusant à dire, non? Kenock. Je toque chez lui et son colloque à Kenock. C'est oh la vache, avec ses feuilles et ses coups, ça va tout coller sous mes semelles. La boue. Il a plu la semaine dernière? Non, n'avancez plus. Quoi? Wow. Regardez. Nous avons de belles empreintes de pas, ah. Alors je voudrais... Martha, arrêtez-vous. Quoi? Quoi? Non, Martha, restez où vous êtes. Quoi? Non, Martha, n'avancez pas, s'il vous plaît. J'entends non, rien. Non. Qu'est-ce que vous me dites? Bon, allez, moi je passe. Pardon. D'accord. Dis donc, Wagner, faudrait appeler la scientifique pour faire un relevé d'empreintes à cet endroit. Faut sécuriser le péri... Attention, marchez pas là. Ah, pardon. Attention, attention. Ok. Ça va? Viens, assis. Assis, ça va? Les chiens savent flairer la vraie bonté. Ils se trompent rarement. Attends, Mes bébés. Non, c'est l'heure. Ils ont prévu la lecture du testament à 10h, alors. Toute la famille va pas tarder à débarquer. Je n'ai jamais assisté à une lecture de testament. Oh. Vous pensez que c'est comme à la télé, mais... Imaginez plutôt une troupe d'acteurs amateurs qui lit une déclaration fiscale. Et nous, du coup, on cherche quoi? Eh bien, on est à l'affût de tout ce qui peut être suspect ou sort de l'ordinaire. Quand vous en verrez, vous le saurez. Oh, c'est pas vrai. Dieu du ciel. Alors, bonjour, Madame Srambi. Vous allez supporter d'être dans le bureau? Où est votre trousse médicale? J'en sais rien. Je l'ai laissée ici, je la laissais toujours à Harlan la nuit. Ils ont dû l'emporter avec les preuves, je vais aller vérifier. Oh. Comment le plateau de jeu s'est-il renversé? On faisait les idiots. À quoi vous pensez? Non. Oh, laissez-moi deviner. Arrête! Va-t'en, toi aussi! Ça suffit maintenant! Hugh Drisdell? Ransom. Appelez-moi Ransom, c'est mon surnom. Il n'y a que les domestiques qui m'appellent Hugh. Très bien. Voici l'agent Wagner. Je suis le lieutenant Elliot. On a quelques questions à vous poser. Excusez-moi! Monsieur, nous sommes des représentants de la loi. Vous allez m'emmener au poste? J'ai pas envie de parler. Je suis désemparé. Eh, Benny? Vous voulez lui poser quelques questions? À quoi est-ce que vous êtes en train de jouer? Monsieur Drisdale. Aux experts KFC? Hey, Franny, file-moi un verre de lait froid. Hey, du con. C'est pas son nom et c'est pas son taf. Alors, Meg, comment va la suffragette indignée de service? Parvenue de mes deux. C'est bon, arrêtez. Hey, bonjour tout le monde. On va tout installer dans le bureau juste à côté. Ce sera prêt dans 10 minutes. C'est amusant, Ronson. Tu n'es pas venu à l'enterrement, mais tu es en avance pour le testament. C'est bon. Chacun fait son deuil à sa manière. C'est pas la peine de... Ce qui m'étonne, c'est que tu sois venu tout court. Pourquoi perdre ton temps? C'est la question que je me pose. Qu'est-ce que tu entends par là? Il sait très bien ce que j'entends par là. Attends, Walt, t'explique. Jacob était dans cette salle de bain le soir de la petite fête. Alors c'est là que tu étais toute la soirée? Qu'est-ce que tu foutais là-dedans toute la soirée? Bah rien. Tu dénonçais des réfugiés syriens? Non, absolument pas. Sale troll facho. Sale planqué gaucho. Franchement, ces insultes, on n'y comprend rien. Elle dit que ton fils est détestable. Oh, mon fils est détestable. Ça suffit. Walt, il était dans la salle de bain. Ouais, il était dans la salle de bain.
en train de se masturber joyeusement devant des photos de cerfs morts. Tu veux te battre, Richard? C'est ça que tu veux? Un peu, mon neveu, viens donc! C'est ce que tu veux? J'ai pas peur! Non, allez, viens, viens, attention, mon grand! Arrêtez! Viens, ça fait 10 ans et demi que j'attends ce moment! Allez, viens! Arrête, laisse-moi gérer ça tout seul! Je peux lui régler son compte! C'est pas vrai! J'ai pas peur! On devrait faire ça plus souvent. Hé! Jacob, on sait où il voulait en venir. Tu étais dans la salle de bain à côté du bureau d'Arlan lorsqu'il s'est disputé avec Ransom. Tu as entendu de quoi il parlait? Il parlait de quoi? Je n'ai entendu que deux choses. Mon testament. Et ils se sont encore engueulés. Et à la fin, j'ai entendu Ransom dire « Je te préviens ». Ransom, tu nous expliques? C'est évident, notre père avait enfin recouvré ses esprits et il allait déshériter cette espèce de petit morveux. Du coup, tu vas être obligé de vendre ta BM et de rendre ta carte de membre du country club et d'arrêter ta consommation de drogue de riche. Parce que si tu crois qu'avec tous les ponts que tu as rompus avec ta famille, avec toutes les saloperies que tu as envoyées à la gueule de tout le monde durant ces 10 dernières années, qu'un seul d'entre nous te soutiendra un minimum, qu'un seul d'entre nous va te donner, comme disait notre père, le moindre petit centime, tu es cinglé! Fils, père, Arlan t'a dit qu'il enlèverait ton nom de son testament? Yep. Alors il a eu le courage qu'aucun de nous autres n'a eu. Peut-être que cette décision va te faire grandir un peu. Je pense également que c'est ce qui peut arriver de mieux. Merci. Je vous présente ma mère, mesdames et messieurs. Ok, ça va pas être facile, on s'en rend compte. Mais c'est pour ton bien. Et se faire du bien n'est jamais facile. Dans ton cul, Johnny, tu vis au crochet de cette famille depuis une éternité. Dans ton cul? Oh, très très classe. Rectification. Je t'emmerde. Quoi? C'est mieux, non? D'ailleurs, toi aussi. Pas ce genre d'expression dans mon... T'emmerde. Si je ne suis pas merde. Je t'emmerde. Je te jure que je te balancerai une bonne paire de gifles. Toi aussi, je t'emmerde. Je t'emmerde, je vous emmerde tous. Vous n'aviez pas dit que les lectures de testament étaient super ennuyeuses? L'exception qui confirme la règle. Quel con! Je te préviens. Ransom a dit, je te préviens. Vous avez entendu Ransom, c'est le genre de truc qu'il dit sans réfléchir. Quoi, tu veux ça? Tu veux jouer? Qu'est-ce que ça fait là, ça? On dirait que ça s'est détaché récemment. Oui, ça vient de là. Attendez, et ça n'a pas de sens. Où donne cette fenêtre? Est-ce que tu veux encore un peu de cookie, Hugh? Encore un peu de cookie? Avec un peu de chance, Arlan t'aura les biens personnels, pauvre petit con! Montrez-moi, mais ne marchez pas sur le tapis. Fenêtre dérobée. Il en parle dans Un meurtre par saison. Agent Wagner, vous voulez bien me tenir ça? Ah. Il y a des traces de boue séchée. Je suppose qu'il doit y en avoir d'autres dans le couloir. Des empreintes? Non, seulement des taches. Tout dépend quand ce tapis a été nettoyé. Elles peuvent dater de n'importe quand, pas vrai? Non, ça ne nous expliquerait pas ceci. Faites analyser cette boue. Ce sera la même que celle de la fenêtre. File ça à Jimmy. Et je suis certain que vous en trouverez sur le treillage qui descend le long de la maison. Le soir de la petite fête, une personne qui ne voulait pas être vue en montant par ces escaliers s'est introduite sans se faire remarquer par les invités dans cette chambre. La chasse est ouverte. Hein, Watson? Thank you.
je tiens à tous vous remercier de vous être réunis ainsi. Ce n'est pas une obligation légale, mais je me suis dit que vous étiez tous présents et que vous alliez repartir Excusez-moi. Bientôt. Je suis désolé. Mesdames et messieurs, voilà, je voudrais, de façon courtoise, vous demander à tous de rester en ville tant que l'enquête n'est pas terminée. Oui, lui, il vous en fait la demande courtoise et moi, je vous en donne l'ordre. Personne ne part avant qu'on ait tout élucidé. Quoi ? On peut savoir pourquoi ? Quelque chose a changé ? Non. Non, on ne peut pas savoir ou non, rien n'a changé. Monsieur Stevens, vous pouvez continuer. Oui. Bon. La deuxième raison qui me fait penser que vous avoir tous ensemble est bénéfique, c'est parce que Harlan a modifié son testament une semaine avant son décès. Il l'a cacheté et m'a demandé de ne le faire enregistrer qu'une fois qu'il serait mort. Donc, si l'un de vous n'a pas compris quelque chose, nous sommes entre nous, nous pouvons parler. Cependant, j'imagine que rien ne devrait être très compliqué. Les biens d'Arlan se composent de... De la maison. De la maison, en pleine propriété. 60 millions. C'est cela, 60 millions en liquidités et investissements bancaires variés. Et bien évidemment, sa société, la propriété exclusive de Bloodlike Wine, sa maison d'édition. Il a également rédigé une déclaration en plus de ses modifications et m'a demandé de vous la lire en premier. Chère Linda, Walter et Johnny, certains seront peut-être surpris par mes choix, mais sachez que ce n'est pas par plaisir que j'ai pris ces décisions, ni dans le but d'attiser les discordes au sein de cette famille. C'est même le contraire. Veuillez les accepter de bonne grâce et sans amertume. C'est pour votre bien, papa. Waouh, ouais, c'est vraiment pas compliqué du tout. Ce sera rapide. Moi, Harlan Srombe, saint de corps et d'esprit, blablabla, je lègue par la présente toutes mes liquidités et mes avoirs financiers, et cela dans leur entièreté, à Martha Cabrera. Ma maison d'édition Blood of Wine, également dans son entièreté à Martha Cabrera, et l'usufruit de mes droits d'auteur iront en totalité à Martha Cabrera. Mais... Quoi ? Non. Non, c'est pas... Non. C'est non, c'est impossible. Je peux voir ce papier, s'il vous plaît ? Oui, tenez. Merci. C'est illégal. C'est un vrai. Il ne devait pas être... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. On a des moyens légaux pour se décontrer ça. C'est impossible, mais sa famille ne peut pas avoir... C'est pas possible. Il y a bien des recours légaux contre ce torchon. Il n'avait pas toute sa tête. Il prenait du médicament. Ça, c'est pas vrai. On sait tous que ces derniers temps, il prenait des sédatifs, des narcotiques. C'est évident que ça lui avait perturbé le cerveau. Il a... Ce que vous allez faire, c'est vous mettre ce papier dans votre cul bien profondément et sortir de chez nous. Et vous aussi, les poulets, allez dehors. Dehors, il est compresto. Linda. Non, Richard, nous devons avoir une discussion. Nous devons élaborer ensemble un plan de bataille. Je vous ai dit de sortir. Nous sommes les Srombe, bordel de merde. Et ici, c'est encore chez nous. Oh, pardon. Il y a également la maison du 2 Dearborn Drive et les biens attenants que je lègue à Martha Cabrera. Oh, sale petite pute! Tu n'es qu'une Linda. Sale pute! T'es au courant de ce testament? Hein? Attends, t'es au courant depuis le début? Non, Linda, je me calme pas, je veux savoir. Qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu t'envoyais mon père? T'envoyais? Arrêtez, je crois que tout le monde devrait essayer de se contrôler. Vous êtes fait sauter par mon grand-père, espèce de clandestin! Ça risque de dégénérer. À votre place, je ne resterai pas dans cet endroit. Attends. Je vous demande de vous calmer. Attends une seconde. Je comprends totalement ce que tu vas ressentir, mais tu veux faire. Je vous jure, je ne sais pas quoi dire. Je n'étais pas au courant de ce testament. Je ne sais pas pourquoi il a. Je te crois. Je suis totalement perdue. Il faut que je réfléchisse. Martha, écoute ce que je te dis. Martha, ne les écoute pas, je suis avec toi. Par contre, je ne suis plus sur Twitter. Alors, tiens.
Tu veux me joindre? Va sur Insta, ok? Il faut que nous discutions. Il faut qu'on parle tranquillement. Je pense que c'est la meilleure chose qui pouvait vous arriver à tous. Qu'est-ce qu'il entend par là? Mais pourquoi tu ne l'as pas retenu? Fallait que je fasse quoi? Que je plante mes dents dans le pare-choc? Bon, allez, sérieux, vas-y, raconte. Hé, hey, apportez un saladier. Tout de suite. On dirait que tu vas tomber dans les pommes. Tu as mangé aujourd'hui? Mange. C'est un cauchemar. Pourquoi? 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 Arrête. Tu hérites de la totalité. Il y a obligatoirement une raison et tu la connais. Peut-être que c'est plutôt à cause de vous qu'à cause de moi. Ouais. Ouais, faut reconnaître que c'est pas con. T'étais au courant de quelque chose? Seulement que j'aurais pas un radis. C'est parce qu'il voulait seulement que tu te débrouilles tout seul, je comme ta pas, mère. Que je me débrouille tout seul, ouais. Ok, ma mère a monté un business, mais c'était avec le million de dollars que lui avait prêté son père. Mon père, lui, possède rien. Elle lui a fait signer un contrat. Il vit dans la peur. Je sais que mon grand-père voulait me protéger de cette situation, et je sais que je devrais éviter de le crier sur les toits, mais quand il me l'a dit, je... Mon Dieu. J'aurais pu le tuer. Après avoir quitté la soirée, j'ai roulé droit devant. Sans but précis. Je roulais dans la nuit et j'ai eu cette... illumination. À partir de cette nuit, j'allais être forcé de me débrouiller tout seul. Et je me suis senti... bien. Quel vieux salopard. Martha, je suis sûr de trois choses. Petit 1, je sais qu'il s'est pas suicidé. Et pourquoi est-ce que tu crois ça? Je le crois pas. J'en suis certain. Je connaissais bien mon grand-père. Je pense que toi et moi étions ceux qu'il connaissions le mieux, et tu me baladeras pas parce que, petit 2, je sais que ça te fait vomir les mensonges. Je l'ai compris pendant le jeu de rôle du 14 juillet dernier. Et petit 3, je sais que tu viens de t'envoyer un bon plat de faillot et de saucisses. Alors... regarde-moi dans les yeux et dis-moi ce qui est arrivé à mon grand-père. T'es un sale con. Martha, dis-moi ce qui s'est passé. Alan, il doit bien y avoir des solutions. Non. Je me demande combien de fois il faudra que je vous répète la même chose. La loi est très claire. Si Arlan était en possession de tous ses esprits quand il a fait ses modifications, et nous pouvons tous affirmer que c'était le cas... Qui était en possession de tous ses esprits? Mais le fait même qu'il ait changé son testament en est la preuve, Alan. Pas légalement, non. Le fait que ça ne vous plaise pas ne prouve pas qu'il n'avait pas ses esprits. Et s'il était sous influence? Oui, il était sous influence, c'est bien ça. Hein? T'as trouvé ça sur Google? Non, mais si Martha manipulait notre père d'une manière ou d'une autre... Oui, si d'une manière ou d'une autre, elle avait mis le crapaud sur fer. Il faut des preuves solides pour avancer cela. Votre honneur, elle a gagné son affection grâce à son travail et sa bonne humeur. Ce n'est pas un argument de poids. Et l'indignité successorale? J'ai trouvé ça sur Google, ok. La loi de l'indignité successorale ne peut pas s'appliquer ici. C'est quoi ce truc d'indignité successorale? Si quelqu'un est accusé d'avoir tué une personne, il n'a pas le droit d'en hériter. Non, pas accusé. Il faut qu'il soit reconnu coupable de meurtre devant une cour. Comme O.J. Oui, comme O.J. Mais Arlan est mort en se suicidant. Détective Blanc... vous avez dit que l'enquête continuait, vous avez bien parlé d'enquête. Soupçonnez-vous un homicide? Monsieur Blanc, si vous voulez bien. Il reste un certain nombre de zones d'ombre, mais oui, je soupçonne un homicide. Martha?
Je n'ai éliminé aucun suspect. C'est n'importe quoi. Je ne crois pas un mot de ce détective Antwood. Et Alan, Dieu vous bénisse, mais vous n'êtes d'aucun secours. Merci. Il n'y a qu'une solution, je crois, qu'elle renonce à cet héritage. Elle sait au fond d'elle-même que c'est la seule chose à faire. Mais oui, elle doit renoncer. Si elle a une morale, elle le fera. Maman. Elle le fera. Si grand-père voulait donner à Martha sa fortune, eh bien c'était sa volonté. Non, il n'était pas lui-même, il nous adorait. Il voulait qu'on ne manque de rien, il voulait que tu fasses de grandes études. Mais, tu crois que j'ai de quoi payer ton école? Je sais, ça a l'air d'être une histoire de dingue, mais c'est vrai, je te jure. Et je pense que Blanc me soupçonne depuis le début. Ça m'est égal d'aller en tôle, mais ma maman, ma sœur, on a... Tu dis plus rien, pourquoi? J'ai toujours cru que j'étais le seul à pouvoir le battre au jeu de go. J'ai toujours pensé que c'était un signe. Oui, je sais que tu gagnais. Le soir de l'anniversaire, ma dernière conversation avec grand-père, ma dernière dispute avec lui a été à propos de toi. Il disait que tu le battais au go plus que moi, alors j'ai pensé... que c'était curieux de dire un truc pareil. Je comprends maintenant. Peut-être que c'était fait exprès. Je vais pas dire à ma famille la vérité. Tu n'iras pas en tôle, ce détective n'arrivera pas à te confondre. Et tu garderas cet argent pour toi. C'était les dernières volontés de grand-père. Il est allé au bout des choses, car c'est ce qu'il voulait pour lui, ce qu'il voulait pour sa famille. Et ce qu'il voulait pour toi. Tu as passé bien des obstacles. Je vais t'aider à poursuivre ton chemin. Qu'est-ce qu'il y a? Je te reconnais plus. T'aurais qu'à me dénoncer et tu réussirais à récupérer ta part d'héritage. Pourquoi? Parce que j'emmerde ma famille. Je peux t'aider à te sortir de là. Et ensuite, toi, tu vas me filer ma part d'héritage. Au bout du compte, tout le monde y gagne. Toi, moi, Harlan. Ouais. On est d'accord? Meg. Martha. C'était un truc de ouf. Je sais. Toi, ça va? Oui. Et toi? Ouais. Ouais, moi, ça va, je... Écoute, personne sait que je t'appelle, je voulais juste... Je voulais te présenter des excuses pour ce qu'ils t'ont dit. Et, Je voulais aussi savoir ce que tu comptais faire. Quoi, comment ça? Avec le testament et tout, quoi. Qu'est-ce que tu vas faire? Toi, tu penses que je devrais faire quoi? Il faut que tu fasses ce qui te semble juste. Mm-hmm. Écoute, je crois que tu devrais tout nous rendre. Oui. Grand-père a toujours pris soin de nous. On est sa famille, après tout, et... Je sais que tu le considérais comme un membre de ta famille, mais sa vraie famille, c'est nous. Ouais. Et, Martha, tu sais que ce serait injuste. On a toujours été gentils avec toi, tu es un peu de notre famille, et on prendra soin de toi, mais il faut que tu rétablisses les choses. Tu sais ce qui est juste. Martha. Maman n'a plus un rond. Elle dit que je devrais abandonner mes études. Non, 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 Meg. Je te jure que ça n'arrivera pas. Si tu as besoin d'argent, je t'en donnerai. Je te laisserai pas tomber. Je veux que tu saches que je serai toujours là pour toi, je te le promets. Ok? Merci. Et une fois que j'aurai... Est-ce que Blanc a découvert des trucs suspects dans la propriété? Oui, il a trouvé de la boue. À l'étage. Quand je suis passée par la fenêtre dérobée. Merde. Il a identifié les empreintes? Non. Ah, cool. C'est bien.
Tu la joues profil bas quelques jours jusqu'à ce que l'affaire soit classée, et ce sera le cas. Parce que même si ce blanc pense qu'il déchire tout, il n'a rien. Allez, détends-toi. Martha, faut que tu te lèves, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de gens devant chez nous! C'est un truc de ouf, on est riches! Peut-être, Alice, j'en sais rien. Je comprends rien à ce qui se passe, mais tu ferais bien de bouger ton cul, ok? Anda, levantate! On ne sait pas grand-chose sur Martha Cabrera, ni sur la nature exacte de ses relations avec Alan. Oh mon Dieu, Martha, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu as fait? La famille Frambi n'a pas encore fait de déclaration. Ouais, regarde. Bon alors, vas-y, raconte. On est riche. Bonjour, Madame Frambe. Pourquoi le chagrin est-il l'apanage de la jeunesse? Ah, je l'ignore. Mais j'imagine aisément qu'avec l'âge, les sentiments s'intensifient. Y compris le chagrin. Oh, c'était un long préambule pour vous présenter mes condoléances pour la perte de votre fils. Et vous demandez si ce n'est pas présomptueux de ma part de ne pas juger trop durement votre chère famille. Si je suis, comme je le soupçonne, le premier à venir vous consoler. Ils sont jeunes, n'est-ce pas? Une autre chose qui doit venir avec l'âge, c'est la lassitude. Que je sois damné si je ne suis pas plus là avec le temps. Là de ce que je fais chaque jour, de déterminer le chemin de l'arc vers l'inévitable vérité. Mais la complexité de la tâche n'est pas la vérité en soi. C'est de savoir que faire une fois qu'on l'a découverte. Je crois qu'il y a une petite chose que vous voudriez me dire. Je pense que vous êtes très perspicace et tout à fait capable de me dire ce que vous avez vu la nuit de l'anniversaire de votre fils. Mais c'est avec plaisir que j'attendrai. Il n'y a aucune urgence. En fait, je trouve même assez plaisant d'être assis ici avec vous. Des avocats sont venus, des grands avocats distingués, tous y sont laissés ses papiers et leur carte de visite, et tu as reçu tout Mama, ce calma, que favor, je trouvais en calma, est bien. J'aime pas cette histoire, Martha, qu'est-ce que t'as pas ça? Je l'aime pas plus que toi. Je vais sortir par derrière. J'en ai pas pour longtemps, surtout ne parle à personne. Y con quién voy a hablar? Walt? Oui, je passais. Alors, comment ça va? Je tiens à vous dire que je n'étais absolument pas au courant. Mais oui, on a confiance en toi. Oui, hier, on a tous eu des réactions démesurées. C'est compréhensible. Mais... je n'ai pas encore ouvert tout ce courrier. Ça doit sûrement être les avocats du coin et les fiscalistes qui ont vu le journal et qui veulent te sauter sur le poil. Ouais, il faut que tu fasses attention. Martha, est-ce que tu as l'intention de renoncer à cet héritage? Ce sont ses dernières volontés. Oui, mais... Arlan t'a mise dans une position vraiment difficile. C'était pas très sympa. Et tu vois ce que je veux dire. Le genre de presse à scandale et de fouineur que ça peut attirer, et avec ce qu'on sait de la situation de ta mère... Ma mère? Oui. Qu'est-ce que mec vous a dit? Oh, surtout ne va pas croire que... Non, tu ne comprends pas. Nous n'avons pas l'intention de t'attaquer sur ce point. Mais si par hasard ta mère était venue dans notre pays de manière illégale, clandestinement,
Il est certain que percevoir cet héritage avec toutes les recherches administratives que ça entraîne, ça risquerait de porter à conséquence. C'est ce que nous voulons tous éviter. Nous pourrions te protéger de ce qui pourrait se passer ou faire que ça n'arrive pas. Vous êtes en train de dire que si ça devait être compliqué pour elle, l'argent de votre famille réussirait à me permettre de tout arranger? Oui. Oui, quand on a de bons avocats dignes de ce nom, pas des avocats du coin, mais des avocats de New York ou de Washington. Quand on met le prix, on se paie les meilleurs. Alors oui, il faudra que ça reste notre secret. Il faudra pas en parler, mais... Oui. Ok, c'est cool. Ok. Parce qu'Arlan m'a offert tout l'argent que vous aviez. Donc ça veut dire qu'avec mon argent, je vais pouvoir arranger la situation. Je vais pouvoir engager les meilleurs avocats. Martha, ça c'est... Très bien d'être sûre de ce que... Tu veux vraiment. Faut voir, c'est quoi ça? L'étiquette de ma trousse médicale. Ils ont ma trousse, je sais pas du tout pourquoi. Ok, mais il y a la photocopie de l'entête d'un bilan toxicologique effectué sur Arlan. Martha, il a eu une overdose de morphine. Alors je suis foutue. Comment tu sais reconnaître ces trucs? Un été, j'ai aidé Arlan à faire des recherches pour un bouquin. C'est quand même bizarre comme chantage. On te fait remarquer que la preuve se trouve au labo médico-légal. Il n'y a pas de demande de fric ni de rancard mis en place. Dans quel but il t'envoie ça? L'alarme s'est déclenchée à 5h du matin. Le feu s'est propagé à vitesse grand V. Ça veut dire que tous les dossiers enregistrés, tous les comptes rendus sont partis en fumée. Tous les employés étaient rentrés chez eux, heureusement. Il y a bien des caméras de surveillance? Oh oui. En parlant de caméras de surveillance, la bande qu'on a récupérée chez les Fondby est foutue. Elle a été bousillée, je sais pas comment. Oui. On est toujours en attente du rapport d'autopsie? On n'attend plus que le bilan sanguin. Le bilan sanguin. Oh la vache. C'est un truc de dingue. Qui pourrait mettre le feu de cette manière à tout un bâtiment juste pour me faire du chantage? Ça veut dire que le maître chanteur possède la seule copie qui prouve ta culpabilité. T'as vraiment reçu aucune instruction? Par téléphone, par mail, t'as rien? Non. Mais j'ai pas vérifié mes mails. Il y a un rendez-vous. Oui, je vois. 1209 Columbus Road à 10h. Tu comprends ce que ça veut dire? Si tu détruis cette copie, il n'y aura plus rien contre toi. Oh non. Martha, tu m'écoutes? Elliot! Faut y aller! On se croirait dans Drive. Oh non! Tu regrettes déjà de m'aider, c'est ça? Je regrette de pas avoir ma BM. On intercepte les suspects sans violence. Pas de violence. Tiens, peut-être un suspect de meurtre. Je l'ai déjà dit. Oh, t'as le pied au plan.
plancher. J'ai le pied qui traverse complètement. Ça se passe hyper bien. Je vais me garer sur le bas-côté. Si tu loupes l'occasion de récupérer ce bilan sanguin, tu seras fichu. Oh mon Dieu. Pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu de la route? Accroche-toi. C'est de l'adrénaline pure. J'ai l'impression d'avoir pris de l'acide. Ok. Bon, alors on va où? C'est quoi l'adresse? 1209 Columbus Road. Ok, alors très bien. Quoi qu'il demande, je dis oui parce que... Tu dis oui. Il faut absolument que je récupère ce bilan. Tu le récupères et tu le détruis. Je le détruis. Nom d'un chien ransom. Au fait, merci. J'aurais pas réussi sans toi. Oh, c'est pas vrai. Non. Sortez du véhicule. C'est la course-poursuite la plus débile de tous les temps. Baissez les mains. J'ai parlé à Juanetta Frambe, la mamita. La nuit de la petite fête, elle a vu une personne escalader le treillage jusqu'au troisième étage. Monsieur Drisdale, on y va. Venez. Vas-y, fouille-le. Qu'est-ce que vous faites? Elle a dit que Ransom était revenu. Les mains sur le véhicule. On ignore encore pour quelle raison, mais on va la découvrir. Il n'avait rien de tranchant sur vous? Sur votre tête. C'est lui qui vous a dit de déguerpir lorsqu'il m'a vu approcher? Oui. Blanc, vous venez avec nous? Non, je monte avec Martha. Allons au poste de police. Je veux un compte-rendu exact de tout ce qu'il vous a raconté. Je vous donnerai les informations qu'on a. Cette affaire est étrange depuis le début. Une affaire avec un trou en plein milieu. Un donut. Bah, excusez-moi, je réfléchis tout haut, ça m'aide à faire le tri. Dites-moi si ça vous gêne. J'ai l'impression que l'étau se resserre. La famille est totalement désespérée. Des mobiles désespérés. Le client mystère qui m'a engagé. L'impossibilité d'un crime. Et pourtant... Un donut. Un élément central. S'il se révèle, le brouillard se dissipera. Et l'arc mènera à la vérité. La boucle sera bouclée. Est-ce que je peux m'arrêter une petite seconde? Je dois prendre quelque chose. J'en ai pas pour longtemps. Bien sûr. J'en ai pour 2 minutes. Attention. En ouvrant. Y a quelqu'un? Écoutez, je sais pas ce que vous voulez. Mais quoi que ce soit, on peut s'arranger. Seulement, il faut qu'on en finisse ici et maintenant. Je veux repartir avec ce bilan. Vous entendez?
Non. Fred! Oh mon Dieu! Est-ce que tu m'entends? Fais-moi un signe, s'il te plaît, si tu m'entends. Oui, c'est moi. C'est Martha. Tu m'as donné rendez-vous en m'envoyant un mail. C'est pour ça que je suis venue. T'as apporté ce qu'il fallait? Je vais appeler une ambulance. Tu vas t'en sortir. Ça va aller, ok? Reste avec moi. Copie! Quoi? Débile. La planque! Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Dieu l'a tué. J'en sortirai pas comme ça. Mais arrête! Of you stays bright. Sometimes I stand in the middle of the floor, not going not going. Oh Seigneur. Encore merci pour les infos, mon ami. Non, ce n'est pas nécessaire, je l'emmène dès que la gouvernante sera stabilisée à l'hôpital. Pour l'instant, son état est critique. Très bien. J'en ai assez, j'arrête. Je veux pas faire de mal aux gens. Je vais vous dire toute la vérité. Le jeune Ransom a déjà dit au lieutenant Elliot toute la vérité. Cool. Attendez, j'espère qu'il me couvre pas. Il vous a tout dit en détail? Les flacons que j'ai intervertis? Que je me suis déguisée en... Le chantage qu'on m'a fait subir? Pourquoi Fran a-t-elle pris ma morphine? Apparemment, ce serait elle qui m'a volé ma trousse, mais elle a rien d'une droguée pour moi. Ou alors c'est pour ça qu'elle voulait de l'argent et qu'elle a pensé au chantage. J'en sais rien, ça n'a pas d'importance. Je dois tout raconter aux Srombi maintenant, je leur dois bien ça. Pas sûr que ce soit une excellente idée. Si, je dois le faire, pour ma conscience. J'ai donné mon téléphone au médecin et ils peuvent m'appeler si l'état de Fran évolue. D'accord. Je demande aux Srombi de se réunir et j'envoie une voiture de police sur place. Pour m'arrêter après, c'est ça? Vous allez me raconter votre version sur le chemin. Je ne veux plus de surprises. Fran a dit que le bilan était dans une planque. Et elle a bafouillé. Tu l'as tué. Tu t'en sortiras pas comme ça. Et... j'ai appelé une ambulance. C'est tout. Très bien. Vous êtes prête? Ah, parfait. Elle a retrouvé ses esprits, on dirait. Elle se tient juste devant nous, Richard. Laisse-la s'exprimer à sa guise. Le reste de la famille est là? Oui, dans le salon. Alors ce serait bien d'aller les rejoindre, pour en finir avec cette histoire. Salut. Salut. Je suis vraiment désolée de leur avoir parlé de ta mère. Ça fait rien, t'en fais pas. Ils m'ont fait peur, j'ai craqué, je voulais pas leur dire au début. Je te crois. Je te promets. Je sais ce que c'est, mais je comprends. Excuse-moi. Je crois que je vais dévaliser la planque de Fran après la réunion. Je suis toujours persuadée que c'est une mauvaise idée, mais la famille est réunie au salon. Je sais où est caché le bilan sanguin. Elle a essayé de me dire où il était. Ça devrait résoudre votre affaire. Et c'est moi qui vous le donne. Vous n'êtes pas un si grand détective, en fin de compte. Eh bien, pour être franc, vous êtes une bien piètre meurtrière. On fait une paire très assortie. Vous avez toujours été bon envers moi. Et ce que je vais vous dire ne va pas être facile et vous risquez d'être bouleversé. Mais enfin bon, avec ce que vous venez de traverser ces derniers jours,
Je crois que vous méritez de l'entendre de ma bouche. J'ai... Excusez-moi! Vous n'avez pas été bon avec elle. Vous l'avez traitée comme de la merde. Pour finir par lui voler la fortune qu'elle mérite et qui vous a été enlevée. Vous n'êtes qu'une bande de vautours affamés, de charognards au bec ensanglanté. Mais vous ne l'emporterez pas cette fois. Non, pas cette fois. Mademoiselle Cabrera a décidé, en son âme et conscience, de ne pas renoncer à son héritage. Quoi ? Quoi ? En outre, en ma qualité d'expert, je vais demander aux autorités locales d'arriver à la conclusion que le décès d'Arlan Trombay n'est rien d'autre qu'un suicide. L'affaire est close. Monsieur Blanc ? Quoi ? Merci d'être venu. Au revoir. Qu'est-ce qui vous prend ? Expliquez-moi. Ce n'est certainement pas ce à quoi je m'attendais. Moi non. Il y en a qui ont compris quelque chose ? Je ne m'attendais pas du tout à entendre ça. Est-ce que vous allez m'expliquer ce que vous êtes en train de faire ? Oui. J'ai l'intention de faire mes aveux, ok ? C'est terminé. Oui, presque. Blanc, bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? Ah oui, pardon. Agent Wagner, faites sortir la famille du salon. D'ailleurs, faites-les sortir de la maison si vous pouvez, mais ne vous éloignez pas avec l'autre représentant de la loi. Vous voulez que la famille sorte ? Oui, mais pas tous, je voudrais que... Voilà ce qu'il faut. Blanc, merci. Je m'en occupe. C'est bon, on peut arrêter tout ce cinéma ? Laissez-moi faire. Monsieur Blanc, je l'ai dit à Ranson. Ranson, vous la répétez, et moi aussi, je vous le répète. Il est totalement indéniable que j'ai tué Arlan. Oui, vous l'avez dit, oui, il l'a dit, et oui, vous le redites. Mais dans la voiture, je vous ai parlé du trou qui est au centre de ce donut. Ce que vous et Arlan avez fait cette funeste nuit semble à première vue combler le trou à la perfection. La parfaite petite boule qui va dans le trou du donut. Mais il faut qu'on y regarde à deux fois. Et si on fait attention, on voit un trou dans le trou. Un trou dans le donut qui est dans le trou. D'ailleurs, ce n'est pas un trou dans ce donut. Mais un autre donut dans le trou du donut, avec son propre trou. Du coup, notre donut n'en est pas un, en fin de compte. Non, écoutez, je vois que ça a l'air de vous amuser à fond. Pourquoi ai-je été engagé ? Pourquoi m'engager, moi ? Pour faire arrêter le meurtrier et annuler le testament. Blanc, c'est évident. Mais on m'a engagé avant de connaître l'héritier. Donc, oui, cette personne devait connaître le contenu du testament. Mais allons plus loin. Cette même personne savait qu'il y avait eu un crime de commis. Et encore plus loin, si son intention était d'empêcher Martha de toucher l'héritage. Cette personne savait que Martha était responsable. C'est intriguant, cette multitude de facteurs. Avoir connaissance de ce que Martha a fait, vouloir que d'autres puissent le savoir, mais sans révéler comment on l'a su. Fran, elle a voulu me faire chanter parce qu'elle savait ce que j'avais fait. Mais Fran voulait de l'argent. Par conséquent, elle voulait éviter que le meurtre soit reconnu. Un membre de la famille a peut-être trouvé que Martha agissait bizarrement. Mais n'aurais-tu aucun intérêt à ne pas en parler à la police ? La réponse n'est pas aussi simple. À présent, la solution tout entière de cette énigme apparaît dans mon champ de vision. L'arc de cette affaire n'est qu'une suite tragique d'erreurs. Martha, je sais que ce n'est pas facile à entendre. Car il y a, au moins, un véritable coupable derrière toute cette histoire. Coupable au sens profond, c'est-à-dire qui a agi avec malice. Une personne qui a commis un crime haineux et intéressé. L'agent Wagner. L'agent Wagner ? Non. Martha, excuse-moi, j'ai été obligée de tout leur dire, j'ai cru que c'était foutu. Ça va, ça fait rien, Ranson. Je suis contente que tu l'aies fait. Il ne nous a pas entièrement tout dit. C'est à cause du témoignage de Mamita. C'est moi qu'elle a vu cette nuit-là. Elle m'a prise pour Ranson. On y reviendra. Mais pour l'instant, Monsieur Hugh Ranson Risdale, pouvez-vous nous expliquer pourquoi m'avoir engagé, moi ? Pourquoi je vous ai engagé ? Ok. Repartons au début, au soir de l'anniversaire, à votre dispute avec Arlan, dont des bribes ont été entendues par le nazi en herbe qui se masturbait dans la salle de bain. Mon testament est, je te préviens. Arlan et vous étiez en pleine tragédie grecque. Vous adoriez vous donner des coups de couteau factices. Et je suis persuadé qu'il n'était pas du genre à frapper en douceur. Non, non, non. Je mettrai ma main à couper, qu'Arlan vous a dit ce qu'il comptait faire. Tu n'es pas sérieux ! Pas le moindre centime ou le moindre droit sur mes œuvres n'ira à un seul membre de la famille, toi y compris. Martha, rappelez-moi comment Ransom a dit que cette conversation avec Arlan s'était terminée. Arlan a dit à Ranson que je le battais au jeu de go.
Je me suis donc demandé, Martha, comment, en évoquant le testament, vous en seriez arrivé à dévier sur la personne de Martha. Il n'y avait qu'une explication qui coulait de source. Tu n'es pas fou à ce point, tu ne vas pas dilapider ta fortune. Non, je vais la donner à Martha. Entièrement. Ton infirmière brésilienne, tu as perdu la tête. J'ai toute ma tête pour la première fois de mon existence. Si tu crois que je vais te laisser commettre une erreur pareille sans lever le petit doigt. J'ai déjà modifié mon testament. C'est fait. Je te préviens. Cette hypothèse est assez hasardeuse. C'est vrai. Mais c'est la seule qui pourrait expliquer les événements qui ont suivi. Vous sortez en furie et roulez dans la nuit. Vous avez raconté à Martha que vous aviez eu... C'était quoi déjà? Ah oui, cette lumière ou cette sorte de... D'illumination. Il allait être forcé de se débrouiller tout seul. Et oui, c'est ça. Martha, le testament, Arlan, débrouille-toi tout seul. Tu ne t'en sortiras pas comme ça. Un plan lui est apparu. Vous êtes revenu en prenant soin d'éviter les caméras de surveillance de la propriété. Vous vous êtes rendu à la maison à pied. Vous avez grimpé par le treillage pour ne pas être vu par le reste de la famille qui assistait à la petite fête au rez-de-chaussée. Ce que vous aviez à faire ne prendrait qu'un petit moment. Mais il était essentiel que vous soyez seul et que vous passiez inaperçu. Vous connaissiez les traitements d'Arlan. Vous saviez quelle dose Martha lui injecterait ce soir-là. Et vous saviez que si Martha était responsable de sa mort, même accidentellement, la loi sur l'indignité successorale ferait annuler le testament et vous toucheriez votre part. Vous vous êtes servi des seringues pour inverser les liquides dans les flacons de médicaments. Et, en tant qu'ultime précaution, vous avez emporté le naloxone, l'antidote qui aurait pu le sauver. Non, 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 c'est impossible. Pourtant, c'est la vérité. Passez-moi un flacon de morphine que je vous montre. S'il a vraiment fait ça et que les médicaments ont été inversés, et qu'ensuite je me suis trompée, je... J'ai dû les inverser une deuxième fois, donc... J'ai donné à Arlan... La dose correcte, oui. Mais pas accidentellement. J'ai masqué volontairement les étiquettes des deux flacons. Les flacons eux-mêmes sont identiques. Comment avez-vous su que c'était la morphine? Je l'ai su, c'est tout. Vous le savez parce que vous connaissez les plus imperceptibles différences de texture et de viscosité entre ces deux liquides. Vous le savez parce que vous avez fait ces gestes des centaines de fois. Vous lui avez donné la bonne dose, parce que vous êtes une bonne infirmière. Alors Arlan n'était pas... Je suis désolé, mais oui. Il était en parfaite santé. Son sang était normal. La cause du décès est bel et bien le suicide. Et vous n'êtes coupable de rien, à part avoir abîmé le treillage et fait une course folle en voiture. En fait, si Arlan vous avait écouté et vous avait laissé appeler une ambulance, il serait toujours en vie. Putain. Un sac de nœuds. Mais nous n'avons pas fini de tout démêler pour le moment. Martha, lorsque Mamita vous a vu grimper sur le treillage, elle a dit... Ransom, est-ce que c'est toi qui reviens encore une fois? Est-ce que c'est toi qui reviens encore une fois? Parce que plus tôt cette nuit-là... Ransom, c'est toi qui reviens. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de chez n'importe quoi. Vous n'avez pas l'ombre d'une preuve. Vous nous balancez des sornettes. Pas de preuve, non. Comme nous n'avons aucune preuve que Martha ait mélangé les fameux flacons. C'est votre parole. Mais vous avez ses aveux. C'est vrai, oui. Elle a fait des aveux. Avec votre permission, j'aimerais creuser encore un peu. Plus tard, cette nuit-là, vous deviez revenir à la maison pour récupérer les fameux flacons compromettants. Mais cette fois-ci, les chiens étaient dehors. Ils ont aboyé et réveillé Meg. Aucune importance, vous récupérerez les flacons le lendemain.
Mais le lendemain, mauvaise nouvelle, on ne parle ni d'erreur médicale, ni d'infirmière négligente. On parle d'un suicide par gorge tranchée. Les circonstances sont parfaites pour m'engager de façon anonyme. Vous savez que Mademoiselle Cabrera est coupable de meurtre. Vous avez besoin qu'elle soit confondue, mais vous ne pouvez pas révéler comment vous le savez. Entrée de Benoît Blanc. Benny, bon, j'ai écouté ce que vous avez dit. Le corps inerte a été découvert au matin. La police, le médecin légiste, la famille envahissent les lieux dans tous les coins. Il vous est donc impossible de monter dans le bureau pour récupérer les flacons incriminants. Vous devez attendre le bon moment, lorsque l'enquête sera close et que vous serez sûr que la maison sera enfin vide. Et c'est pour cela que vous n'êtes pas venu à l'enterrement. Il n'y a personne à la maison pour se demander pourquoi vous montez dans le bureau d'Arlan. Enfin, c'est ce que vous croyez. Pauvre Fran. Elle vous voit farfouiller dans la trousse à médicaments d'Arlan. Elle ne sait pas ce que vous pouvez bien trafiquer. Mais elle sent que c'est un mauvais coup. Son cerveau se met à chauffer. Oh non. Elle a pensé au film dont elle m'a parlé avec Danica McKellar. Deadly by Surprise. C'est de ça qu'elle parlait. Elle adorait Arlan et détestait Ransom. Alors la pauvre fille décide de confirmer sa théorie en forçant ce petit con à payer. Elle se procure la copie du bilan toxicologique. Alors là, franchement, je reconnais que je ne sais pas du tout de quelle façon. C'est grâce à sa cousine. Elle m'a dit qu'elle avait une cousine qui était réceptionniste au labo médico-légal. Eh bien voilà! Les résultats ne signifient rien pour elle. Mais si Ransom est l'assassin, l'existence de ce papier est une menace. Elle fait une photocopie de l'entête et commence un chantage par courrier. Pourquoi me l'envoyer à moi? Ce n'est pas le cas. Elle l'a envoyé à Ransom. Lorsque M. Drysdale l'a reçu, quelle a été sa réaction? Allégresse. Il pense toujours que Martha a administré à Arlan les doses des flacons inversés. Donc le bilan sanguin prouvera sa culpabilité. Il se rend à la lecture du testament d'excellente humeur, prêt à voir sa famille s'étriper. Il est sûr que le testament sera annulé lorsque la lumière sera faite grâce au rapport toxicologique. Et c'est là que Martha lui avoue tout. Du coup, c'est tempête sous un crâne. Il se rend tout de suite compte que Martha n'a commis aucun crime et que le rapport toxicologique viendra prouver son innocence. Le testament sera inchangé. Il a perdu. Sauf si vous décidez... Tu vas garder cet argent pour toi. ...que vous n'allez surtout pas abandonner. Tu as passé bien des obstacles. Il ne reste qu'une petite étape. Un dernier acte. Vous savez bien que vous n'avez rien à perdre. Vous décidez de continuer. Étape 1. Détruire toutes les preuves de l'innocence de Martha. Étape 2. Lui envoyer un mail anonyme. Lui donnant rendez-vous plus tard dans la matinée. Et lui faire parvenir la lettre du chantage. Étape 3. Aller au rendez-vous donné par Fran. Oh, j'en étais sûre. Je savais que vous n'étiez qu'un sale petit fils de pute. J'étais sûre qu'Arla ne s'était pas suicidée. Oui, tu avais raison, Fran. J'étais sûre que vous étiez l'immonde coupable, mais maintenant, vous allez le payer! Ne vous approchez pas! Ne vous approchez pas, je vous préviens! Ça y est, à présent, tout est en place. Martha va recevoir la lettre du chantage, vous l'aiderez à comprendre sa signification, vous la conduirez même au rendez-vous. Vous passerez un appel anonyme à la police. Pour qu'il découvre le corps et la pseudo-preuve calcinée. Et Martha sera arrêtée pour avoir tué Fran et Arlan. Elle a dit... Dieu plus la tuer. Non, elle a pas dit... Tu l'as tué. Elle ne parlait pas de moi, elle a dit... Hugh l'a tué. Hugh l'a tué. Tu demandes au personnel de t'appeler Hugh?
Parce que tu es un gros con. Ça aurait pu marcher. Si on ne vous avait pas emmené au poste pour vous interroger, ce qui vous empêchait de passer votre appel anonyme. Si Fran n'avait pas caché une copie du bilan sanguin dans sa planque. Et si Martha ne vous avait pas battu à votre jeu une fois encore. Grâce à son bon cœur. En sauvant la vie de Fran. Même si ça voulait dire perdre l'héritage et finir en prison, elle n'a pas joué le jeu que vous aviez prévu. Elle a sauvé la vie de Fran. Fran est vivante ? Oh oui. Fran, qui confirmera les sornettes que je déblatère. Enfin, plus ou moins. Et qui vous enverra en tôle, Hugh Drisdale. Oui. C'est une merveilleuse nouvelle, docteur. Nous arrivons, merci. Elle va bien. Elle va témoigner. Agent Wagner, pouvez-vous emmener Monsieur Drisdale au poste pendant que le lieutenant Elliot, Mademoiselle Cabrera et moi-même allons recueillir le témoignage de Fran à l'hôpital. Oui, allez, levez-vous. Je vais te dire une chose. Sans caméra, sans tribunal, rien que la vérité entre nous. Nous t'avons ouvert notre porte. Nous t'avons laissé prendre soin de grand-père et t'avons accueilli dans la famille. Et toi, tu crois que tu vas réussir à nous dépouiller? Tu crois que je ne vais pas me battre pour protéger mes biens? Ce qui me revient de droit? L'héritage ancestral et ses souvenirs familiaux? Alors là, c'est ça. Ça, c'est un stand de rire, non? Arlan a acheté la maison et ses dépendances dans les années 80 à un milliardaire pakistanais. La ferme, Blanc, la ferme! Avec ce ton faussement distingué du plouc qui se prend pour le chef de la basse-cour! Oui, j'ai essayé de tuer Fran, mais elle est encore en vie. Alors qu'avez-vous contre moi? Rien! Quoi, une tentative de meurtre? Je serai poursuivi pour incendie volontaire et quelques petits délits. Avec un bon avocat et là, j'en connais des tas! Je serai relâché en peu de temps. Et là, tu verras à quel point je te ferai vivre un enfer sur terre, pauvre petite salope de merde. Oh, oh mon Dieu. Mais c'est quoi cette merde? La preuve qu'elle ment! Oui, elle ment, c'est sûr. C'est vrai. Fran est morte. Et tu viens d'avouer que tu l'as tuée. Yeah.
Est-ce que je peux vous demander, quand avez-vous su que j'avais quelque chose à voir avec la mort d'Arlan? Au début, dès le moment où vous avez posé le pied devant moi. Je voudrais que vous vous souveniez d'une chose très importante. Vous avez gagné, non pas en jouant selon les règles d'Arlan, mais selon les vôtres. Vous êtes une belle personne. Cette famille... Il faut que je les aide, n'est-ce pas? Oui, j'avoue que j'ai mon opinion. Mais je suis sûr que vous n'en ferez qu'à votre cœur.
тельмом и газа, будто это Кока-Кола. Снова обещаю, если будет по-другому. Не хочу ебаться, но, блядь, я должен снова. Снова, снова. Я все забуду. Чтобы ты не